Paris à la fin du mois pour le Salon de l'agriculture et Paris dès aujourd'hui jusqu'à mercredi pour le plus grand salon des professionnels du vin jamais réuni en France, le Wine Paris Vinexpo, fruit de la fusion entre les deux grands organisateurs Comexposium et Vinexpo. Et l'objectif, c'est reprendre la place de leader face à la concurrence des salons étrangers. Jean-Pierre Stahl, Sylvie Tuscomounet sont sur place. Deux salons réunis en un, une force de frappe qui a séduit de nombreux exposants, 2800 dont les Aliénor, ces femmes du vin de Bordeaux, dont c'est la première participation à Wine Paris et Vinexpo. Par tradition, on allait tout le temps à Provins et là on a décidé d'aller à Wine Paris parce qu'on pense que c'est un salon qui va monter et on le voit dans les allées, il y a vraiment beaucoup plus de monde que l'année dernière à Provins. Du côté Wine Paris, on y trouve de petits vignerons de toutes les régions de France, mais aussi de grands opérateurs comme ces Bourgognes, venus à 54 l'an dernier et aujourd'hui à 138. On est en février et ça, c'est la première fois pour les acheteurs l'occasion de déguster les vins, le dernier millésime. Et donc ça veut dire de débuter les négociations commerciales en primeur. C'est également être à Paris, de profiter aussi de tout le maillage des restaurateurs, des cavistes parisiens, c'est plus de 26 000 établissements. Dans le hall 7 dédié à Vinexpo, de nombreux exposants, mais aussi l'avenue des marques, une offre complémentaire. Il est plus facile de faire venir des acheteurs à Paris que de faire venir des acheteurs sur Bordeaux. Et on évite de perdre une demi-journée de transport pour aller de Paris à Bordeaux. Vinexpo, c'est aussi B-Spirits, un espace entièrement dédié aux spiritueux avec le plus long bar d'Europe, 50 mètres, et des Bordelais aussi présents. On a vu des importateurs, des acheteurs français surtout, de la grande distribution. Donc c'est bien parce que c'est pas évident d'intégrer ces réseaux de vente. On a beaucoup de clients étrangers aussi qui sont passés nous voir. On attend des clients nouveaux. Ouais. Et pour être en phase avec les nouvelles tendances, il y a aussi le marché des vins bio avec Waouh.